Good morning, allez, Iden, les tutors aujourd'hui, le Nishmat Amram Yona Ben Khana Pegi Batester, Nissim Ben Aouda, Michel Levikov, si l'on fait route, Bat Klozin, Frenesim Khabat Masoudi Betor, Shafol Israël, si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions ma serrette de l'Ouad Perigimel Mishnah. Hey! Hakela, Shebet Kibul Shela, Aroug, Tmea, Veshel Or, Rabbi Dosa Ben Rakinas, Meta Her, Vachachamim, Metam In, Nifsak Betetzba Shela, Tehora, Beta Pekia Shela, Tmea. On va parler dans notre Mishnah d'un sujet de Touma Vetahara, d'impureté. Quel ustensile, un ustensile particulier, la fronde, à savoir est-ce qu'elle est apte à recevoir la Touma ou non? Est-ce qu'elle est considérée comme un ustensile? Ou est-ce que c'est juste un... on a collé des petits morceaux de matière première, de bois ou de cuir, mais sans que ça prenne pour autant un statut de Kli, une Torah de Kli. C'est-à-dire pour recevoir la Touma, un objet ne reçoit la Touma que, ne devient impur, ne peut devenir impur que s'il a un statut de Kli, une propriété de Kli, d'être quelque chose qui a été formé pour, selon plusieurs règles. C'est pas le simple fait de prendre un morceau de bois que je vais utiliser pour caler une table qui va faire que ce morceau de bois il est devenu un Kli. Il faut nécessairement lui donner une forme, une allure, le distinguer, le réserver à cet usage. Il y a plusieurs principes, d'accord? Tout ça se trouve donc dans Maseret Kelim, une très grande Maseret du Seder Taharot, assez complexe, c'est-à-dire, attendez, que ça nous impose de plonger dans un tas d'ustensiles qu'on n'utilise plus à notre époque, mais bon, c'est quand même intéressant. Pour notre propos, on va parler du Kela, de la fronde. Alors d'abord, on va présenter la fronde, comment elle se présente. Trois parties essentielles, plutôt quatre, même faudrait dire. Il y a d'abord le principe de la fronde, d'abord. C'est une corde à laquelle, à son extrémité, je mets une pierre, et je fais tourner, et puis je me débrouille pour envoyer la pierre, grâce à l'énergie cinétique que j'ai introduit en faisant tourner la ficelle avec le projectile au bout. Donc ça a donné une certaine vitesse à la pierre, et ensuite il y a un procédé justement, comment libérer la pierre pour qu'elle parte dans la direction qu'on a voulu et pas dans nos têtes, bien évidemment. Ça se présente, la fronde, avec trois parties plus les ficelles, les lanières. La fronde, il y a la poche, où est-ce qu'ici on met, c'est-à-dire on prend la fronde, en fait, ces deux parties-là, les deux manches, on les garde dans la main d'une certaine manière, et à l'autre extrémité, et au milieu, en fait, là où il y a cette fameuse poche, on met dedans la pierre. Maintenant, si vous faites attention ici, il y a deux manches, un manche et un œillet, en fait. Un manche, c'est pour un avec, c'est-à-dire avec une extrémité, avec l'œillet, on va le mettre dans le doigt, et on va faire tourner la fronde. L'autre manche, on le garde dans la main, de manière à ce qu'une fois que j'estime que j'ai mis assez de force dans la pierre, alors je libère l'œillet, comme ça d'un coup l'œillet lui-même il part de l'autre côté, ça libère la pierre, elle part dans la direction que je l'ai fixée, et bien sûr je garde le manche, sinon j'ai plus de fronde et je me fais avoir par l'ennemi, d'accord? C'est le principe. C'est quoi l'état de chacun? La poche, ça va s'appeler le bet kiboul, le réceptacle, étant donné qu'on met dedans la pierre. Il y a le bet etzba, la poche du doigt, l'œillet du doigt. C'est là où, donc, apparemment, je suppose que c'est là l'essentiel avec lequel on va donner le plus d'énergie à la pierre, à la fronde qui tombe. Et puis, il y a le bet yad, le manche, qui va s'appeler dans notre Mishnah le bet pakia. Bet pakia, ça vient du fait que lorsqu'on le libère, il fait un bruit. Alors, d'accord, je sais pas pourquoi ça a été nommé comme ça. Voilà. Maintenant, le sujet de notre Mishnah va être de définir à partir de quand je considère la fronde comme une vraie fronde, un vrai ustensile, ou quand est-ce que je le considérais comme juste tu t'es débrouillé pour coller un petit bout de ficelle, un petit bout de bois et un petit bout de quelque chose, sans que ça prenne un statut de Kli. Alors sur ça, on va s'intéresser à essentiellement l'essentiel de la fronde, qui est la poche. Alors si la poche, elle est faite en cuir, elle peut être faite en cuir ou en tissu. Et selon la règle, on a des mesures différentes. Le tissu, il a, dès qu'il va avoir une largeur de 3 sur 3 etzbaot, alors il va recevoir la touma. Si par contre c'est un ustensile en cuir, alors il requiert une largeur beaucoup plus grande de 5 doigts. Or la fronde ne fait pas cette taille, et dans ce cas-là on va s'intéresser au fait que ce soit un réceptacle qui ait une forme relativement arrondie. Et dans ce cas-là, si ça devient un kli qui boule, qui reçoit un réceptacle où on peut mettre dedans quelque chose, alors là, il va oui ou non prendre la touma. Soit, alors on commence la Mishnah tout de suite. Hakela, la fronde, chez Bet Kiboul, chez la Aroug, dont la poche où on met la pierre, elle est
Harug, elle est tissée. Ouais, mais la chambre Harig, elle est en tissu, donc. Donc, Tmea, elle sera impure, étant donné que la mesure d'un tissu pour devenir impur, elle est très petite, et c'est sûr que là, on a déjà atteint la taille requise. Par contre, Veshel Or, si elle est faite en cuir, alors là, on n'a plus la taille de 5 etzbaot sur 5 etzbaot. Ouais, elle n'est pas aussi grosse que ça. Alors quoi? Il y a quand même, malgré tout, une autre possibilité de la rendre impure sans considérer qu'on a un clic qui boule. Et sans sac et une marquette. Rabbi Dosa ben Arkinas, metaher vachachamim metamin. Rabbi Dosa, on continue avec la dernière, je crois que c'est la dernière Mishnah de Rabbi Dosa. Rabbi Dosa va nous dire qu'elle est pure, étant donné que ce n'est pas considéré comme un réceptacle, et tu n'as pas la largeur, donc ta fronde entièrement elle est pure, puisque l'essentiel de la fronde, c'est cette poche-là. Or, la poche n'est pas assez grande, c'est pas considéré comme un réceptacle, parce que la simple utilisation de caler une pierre dedans pour pouvoir la faire tourner, il considère que c'est pas assez important comme réceptacle. Donc Rabbi Dosa Metaher dit que dans ce cas-là, ta fronde ne recevra pas de Touma. Chachamim Metamin, tandis que Chachamim la rende impure, parce qu'il considère, c'est vrai, tu mets ta pierre dedans, c'est un réceptacle de la pierre. De ce fait, c'est un clic qui boule, et donc ça va recevoir la Touma. Maintenant, dans la suite de la Mishnah, on va s'intéresser à l'autre phase. Jusqu'à maintenant, on a parlé de à partir de quand je considère la fronde comme un cli, comme un ustensile. Maintenant, il faut savoir, lorsqu'un ustensile se casse, qu'il n'est plus usagé, on ne peut plus l'utiliser comme il faut, alors il y a plusieurs règles qui vont définir est-ce que le cli a arrêté d'être un cli, donc il redevient pur ou non. Une des règles, par exemple, c'est quel type est-ce qu'il a encore son utilisation initiale. C'est-à-dire, si je prends par exemple ce stander, il se casse partiellement, mais je peux encore l'utiliser pour poser un livre. Alors là, c'est certain qu'il garde encore son statut de cli. Étant donné que tu parviens, malgré tout, à l'utiliser. C'est désagréable, c'est pas pratique, mais quand même, c'est utilisable. De ce fait, il garde son statut de cli. Tandis que s'il se casse, et que tu peux plus l'utiliser du tout, alors on va s'intéresser au mode de réparation. Si c'est une petite réparation facile, alors on considère qu'il est encore là. Mais si ça demande une vraie réparation très importante, alors on considère que ce cli-là, il est mort, et que quand tu le répareras, tu fabriqueras un nouveau cli, en fait. Et donc, il ne sera plus impur. C'est le principe de la suite de la Mishnah. Et on va s'intéresser donc à deux points. Si les deux extrémités, une des deux extrémités, se casse. Et alors, bet nifsak bet etzba shela, si ça s'est rompu ici, au bet etzba, là où l'œillet où tu mets le doigt pour faire tourner ou pour libérer, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, alors là, celui-ci apparaît. Alors là, Théora, la fronde est devenue pure. C'est-à-dire, je comprends que la fronde n'est plus réparable. Celle-ci est morte, il n'y a plus rien à faire avec elle. Je suppose, je ne suis pas sûr de mon coup, cette fois-ci je ne l'ai pas vu écrit assez, j'essaie juste de mieux comprendre un peu quoi. Mais je suppose que c'est lié au fait que apparemment, si tu mets toute l'énergie cinétique grâce à cet œillet, alors là tu ne vas plus pouvoir le coudre et le maintenir avec une ficelle. Ou ça ne va plus être pratique, elle risque sûrement, elle n'est plus tellement utilisable. Ouais, vous imaginez bien, si vous avez un fusil qui est un petit peu tordu, c'est vrai, on peut tirer des balles, mais ça ne sert plus à rien, quoi. Donc j'imagine que c'est à peu près le même principe. Vous n'allez plus pouvoir l'utiliser pour tirer des cibles, bien atteindre vos cibles comme vous voulez. Halas, elle est morte. D'accord. De ce fait, toute la fronde devient théora si le bet etzba, l'œillet du doigt, se rompt. Bet apakia, chez là, par contre, si c'est le manche qui se casse ici, alors là, la Mishnah nous enseigne Tmea, la fronde elle est encore en Tmea. Pour la simple raison, sans même chercher la réparation de l'objet, comme ça je l'ai vu, je l'ai vu écrit, c'est que, ouais, peut-être ici dans le Tifrat Israël, c'est qu'en fait, on peut parvenir, dans le Melachat Shlomo plutôt, on peut quand même, malgré tout, c'est plus tellement pratique, mais on peut quand même, étant donné que le manche lui-même apparemment, c'est pas tellement essentiel. On peut, c'est juste pour que ce soit plus facilement maniable, attrapable. Mais en réalité, on peut se débrouiller pour caler la ficelle de l'autre côté, même sans manche. De ce fait, la fronde garde son statut de fronde. Et de ce fait, si elle était impure, elle restera impure. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.